Et j'ai eu un problème de voiture, voilà tout, là, on fait exprès. Mais oui, moi, je sais pas ce que je dois faire, si je dois réchauffer mon gratin ou pas. Tu vas voir, il est super sympa. À l'école, il imitait super bien les profs. Mais je réchauffe mon gratin ou pas? En masse. Mais quoi? Oh, mais il y a un trou, et il enlève les plombs en bas pour le camion. Je vais pas y descendre. Oh, mais c'est malin, ça, tiens. Mais comment ils vont faire pour déménager demain matin? Mais va les voir. Mais non, 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 mais Christophe, c'est pas grave. Hé, Christophe, il mettra les plombs partant, voilà tout. Eh, dis donc, il y a une super voiture. Ah, bon? Ah oui. Un cabriolet comme ça, ça doit coûter une fortune. Hein. Je vais remettre mon gratin. Au 6ème gauche! Ouais, au 6ème gauche! Je joue, t'es où? Ils arrivent! Et j'ai mis mon gratin! Oh. Tu me donnes un bisou! Un gros bisou pour ma chouchou chérie d'amour! Mmh. Sur comment mes cheveux? Jolie, t'es la plus belle de toutes les chouchous d'amour! Mmh. Oh, c'est eux! Oui, j'arrive! Tu me donnes un bisou, oui? Voilà, voilà! Bonsoir! Pour leur plat. Les embouteillages, tu peux pas savoir. Horrible. Je suis vraiment désolé. Je te présente Patricia. Oui. Bonjour Patricia. Je vais vous chercher la tête. Elle est dans la cuisine. Elle la cherche. Chouchou, t'es où? Chouchou! Tu comptes faire la gueule toute la soirée? C'est pas décidé. T'es insupportable. Je sais. La prochaine fois, pour chez des gens que tu connais, je te ferai le coup d'un demi-heure de retard. Tais-toi, tu me fatigues. Voilà, Nathalie, je te présente Christophe, chouchou Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour, ça va? Et sa copine? Oh, bonjour la copine. Patricia. Ah, Patricia. Ah, j'ai une cousine qui s'appelle Patricia. Voilà, et faites pas attention au désordre, c'est qu'on est encore en travaux. On est en train de grenir trois jambes de bonne alors. Mais enfin bon, hé, on les fait faire les travaux, hein, parce que c'est pas mon chouchou qui pourrait casser un mur. C'est pour vous. Oh, les fleurs. Oh, pas. C'est trop gentil, j'adore les fleurs. Chouchou, regarde le joli bouquet. Magnifique, je vais voler deux du jour. Oh, t'es un chou. On est désolé pour leur retard. Quand vous m'avez téléphoné tout à l'heure, c'était impossible d'avancer sur le périphérique. Dis chouchou, je vais les faire en quoi? J'arrive. Je te remercie de m'avoir souri. Tu continues, je me bats. J'en ai rien à foutre. Je me casse et je te laisse avec tes amis. Ben vas-y, fais-le, casse-toi, qu'est-ce que tu veux que ça fasse? Je vais vous prendre au manteau. Voilà, c'est pour les mettre dans la chambre. Je reste, mais tu vas vivre un enfer. Qu'est-ce que t'as ce soir? Rien, mais tu vas me le payer, c'est tout. Mais payer quoi, s'il te plaît? Ton comportement. Mais quel comportement? Ah, puis là, c'est bon, allez, j'en ai assez, j'ai ma dose. Allez, salut, passe une bonne soirée. T'en vas? Où est-ce qu'il a mis mon manteau, ton copain? Bon, c'est bon, t'en vas pas, moi. Hey, on va mettre le bouquet ici. Comme ça, on pourra en profiter pendant toute la soirée. Oh, elles sont vraiment très jolies, hein. Merci. Chouchou? Dis chouchou, t'es où? Et regarde en quoi j'ai mis mes fleurs. Magnifique. Allez, asseyez-vous. Vous savez que je suis joué comme un fou depuis que nous a croisé ce matin. Il paraît qu'avant, vous n'arrêtez pas de délirer. Oui. Chouchou, je crois bien qu'à Christophe, vous pouvez vous tutoyer. Ah, ben bien sûr. Hein. Je ne sais pas. Parce que ça me fait un peu bizarre que vous vous voyez, parce que moi, j'ai l'impression de prendre 20 ans d'un seul coup, alors. Ben, c'est bizarre, moi, ça faisait bien 20 ans qu'on s'était pas vu. Vous avez fait toute votre étude ensemble? Ah, non, moi, 3 ans. Alors, t'es aussi dans l'informatique? Ah, plus vraiment, en fait. T'as pas changé, non? Si, je suis plus dans l'édition, maintenant. Non, mais je vais dire physiquement. Ah! T'as pas changé, hein? Et toi non plus, apparemment. Et tu te rappelles le délire à la machine à café? Tout le monde nous prenait pour des tarés. Ouais. Vous avez dû bien délirer alors, hein? Tu te rappelles quand il
qui faisait super bien. Ouais, ouais, ouais. C'est qui, Costa? C'était un prof, il était complètement délirant. Mais alors, tu sais, malgré lui. Hein. Allez, fais-moi Costa. Allez. Fais-moi Costa. Mais non. Et Muller, Muller. Lui, il venait complètement. Non, mais tout à l'heure, peut-être. Puis là, à froid, c'est pas évident. Puis je me rappelle plus très bien. Hein. C'était super génial. Et dis, tu me sais, quelque chose à voir, mon chéri? Oui, ma chouchou. Du Porto? Tu aimes le Porto? Attends, il vient du Portugal. Ah, s'il vient du Portugal, je vais le voir. Et hop. La chouchou. Allez, à la pop. À la pop. Elle est partie où, ta copine? Par là, je crois qu'elle voulait passer un coup de fil avec son portable. Bon, bah alors on va l'attendre. Je vais la chercher. Alors, tu trouves comment? Elle est super sympa, non? Super sympa. Oh, non, t'es pas délirée à l'école. Et sa copine, par contre? Elle est super sympa. Tu la trouves pas un peu bizarre? Bah pourquoi tu dis ça? Mais je sais pas, l'impression, elle a pas dit un mot. Ah bon? Tu trouves pas ça bizarre, toi? Peut-être qu'elle n'est pas française. Ah, mais oui, c'est ça, t'as raison. Si elle n'est pas française, elle ne parle pas français. C'est normal, elle ne parle pas. C'est ça, tu dois avoir raison, elle n'est pas française. Ah, oh, tiens, voilà les amoureux. Allez, à la vôtre. Hein. Et merci à vous deux pour cette soirée. Hein. Dis donc, t'as une super belle voiture. Hein. Ah, merci. C'est le dernier modèle chez Audi qui sont sortis, non? Oui. T'as revu des gens d'affaires, toi? Allô? Oui, bonsoir. Oui, comment ça va? Très bien. Je suis en train de recevoir un copain. Un couple d'amis. Oui, avec sa copine. Oui, je l'ai pas vu depuis 20 ans. C'est maman? Oui, je peux vous la passer dans la chambre si vous voulez. Oui, ah! Allez dans le couloir, elle va vous prendre la chambre. Attention, elle va ouvrir la porte de la chambre. Elle ouvre la porte de la chambre. Attention, elle va décrocher, elle décroche, elle décroche. Oui, oui, c'est bon. Allez, bisous, bisous. Viens, mon chouchou. Vous mariez quand déjà? Oh, le 22. Ah, bah c'est bientôt. Ah, oui, c'est bientôt. Alors, tout ce qui est organisé, alors, le traiteur, les places à table, l'animateur, est-ce que. Je me rendais pas compte que ça s'organisait un mariage. Mais moi non plus, hein. C'est pour ça que la maman de Chouchou, elle appelle, là, c'est pour faire le point. Comment tu faisais Costa déjà? Ça va me revenir. Bon, je vais voir qu'elle fait. Je vais voir s'il n'y a pas un problème. J'arrête tout de suite, hein. Ils vont s'appeler Chouchou toute la soirée, tu crois? Je pense pas. Tu connais d'où? De la fac, je t'ai dit, à l'époque, c'était mon meilleur ami. Bah, à mon avis, c'est passé quelque chose depuis. Hein. Ah oui, il y a 20 ans. Hein. Oui, j'arrive, on finit coup de fil, là, et on arrive, c'est la maman de Chouchou. Il y a pas de problème. On finit coup de fil, on arrive. Attends, je suis pas si mal, désolé. Non, on finit coup de fil, on arrive. En fait, si j'étais en retard, c'est que... il y avait une raison. Ah bah tout de même, on y arrive. Arrête deux secondes, s'il te plaît, t'es toujours à faire ton numéro à plaisanter. Non, je plaisante pas. Vraiment, tu m'énerves. Bon, c'est bon, j'ai rien dit, je t'écoute. Tu es là en permanence à commenter tout ce que je dis, à me tourner en dérision pour me rendre ridicule, et tu sais pourquoi? Parce que tu as un complexe de supériorité qui commence vraiment à devenir envahissant. Complexe de supériorité. C'est la maman, tu joues. Excusez-moi, ça ne se fait pas, parce que c'est pour le mariage, le droit de l'arriver. Parce que Chouchou a des copines qui préparent un spectacle de sketch sur elle. Et Chouchou a une copine qui imite super bien David. Ça va être génial, hein. Puis je suis désolé, j'ai pas filmé. Ça va être génial. Il est à la cuisine. Chouchou, 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 il y a Bernard qui s'est imité Jean Dassin. Oh, génial. Il va chanter l'été indien. Le délire. Je reviens tout de suite. Si
savoir ce qu'il est-il venu. Tu ne dis rien? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'es en retard parce que t'as rencontré un copain. Qu'est-ce qu'ils font tous les deux? Ils sont toujours au téléphone. Je suis pas en retard à cause de ça. Ah bon? Je suis en retard parce que j'avais besoin de réfléchir. Ah, et ça donne quoi quand il réfléchit? Arrête! Toujours, ça m'intéresse. Il m'a proposé qu'on se revoie. Et je ne sais pas quoi faire. Et tu viens me demander conseil? Mais c'est pas compliqué, on va le valser. Hein. De toute façon, c'est un âge. Oui, je sais, c'est mon complexe de supériorité qui me reprend, mais ça, là, c'est justifié, non? Oh, puis écoute, ça commence à m'énerver cette histoire. Hein. Alors, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un truc simple. Tant qu'ils sont encore à côté, tu peux encore te barrer. Je compte jusqu'à 3. À 3, soit tu te lèves, tu te barres, on se voit plus jamais. Soit tu restes et on se dit qu'on est amoureux de toi pour toutes, ok? 1. 2. Oh là là là, vous mariez pas! Bonjour la galère! Oh mais non, je plaisante bien sûr! Et alors? Le chrétien, il faut bien le choisir! Quel amateur celui-là, j'y crois pas! T'inquiète pas, ma chérie, ça va s'arranger, ta mère va l'appeler! Alors ce petit porto? Ah, excellent! Et vous, vous n'allez pas vous marier? Toujours! Oh pardon! Ah oui, c'est vrai, ça ne me regarde pas! Oh, je suis maladroite, c'est tout moi ça! Bon, allez, à la vôtre! Hein. Et c'est vraiment si gênant de mettre tous les enfants ensemble, de faire qu'une table entière? Bah, ménage les enfants et les ados alors? Ah non, t'as raison, on peut pas mélanger les enfants et les ados. Dis, qu'est-ce que t'en penses? Un ado, il vaut mieux l'asseoir à une table d'adulte, sinon il passe la pire soirée de sa vie, non? Je sais pas, c'est quoi le problème? C'est pas où asseoir les ados, ça fait 3 semaines qu'on bloque là-dessus. Ouais, c'est compliqué cette histoire. Ah oui, vraiment, moi j'en veux plus. Vivement que ça se termine. Oh. Et en plus, l'animateur, il paraît qu'ils sont pas 4, ils sont 5. Ah moi, je sais pas si ça change quelque chose pour le budget, mais d'abord, je m'en méfier, hein. Et puis le traiteur qui signe maintenant, il paraît qu'il faut payer les heures supplémentaires pour le service après minuit. Mais c'est évident qu'on n'aura jamais fini à minuit. Bon, et, allez, on va pas vous embêter avec ça, c'est pas grave. Prenez des olives. C'est vraiment si gênant de couper nos olives ensemble. Mais non, après tout, il n'y a qu'à laisser comme ça, c'est pas grave. Oui, t'as raison. Ah oui, j'ai eu ma mère au téléphone ce midi. Ah bon? Elle m'a demandé si je pouvais rajouter un nom sur la liste. Mais c'est qui? On en parlera après. Mais non, parce qu'il s'est dit, moi qui c'est quand même. Marine. Bah, on les a déjà toutes notées, tes cousines. Oui, mais là, c'est pas vraiment une cousine, c'est une cousine d'un mariage de mon grand-père. Enfin, mais comment on va faire? On a déjà dépassé les 144 invités. Mais je sais bien, mais enfin bon, on va pas embêter Christophe et sa copine avec ça maintenant. Enfin, dis-moi, qui c'est quand même cette cousine, chouchou? Mais elle avait déjà invité mes parents au baptême de sa nièce. Oh. Mais 12 tables de 12, ça fait 144 invités, ça fait pas 165, on va les asseoir où les autres? Mais bon, c'est incrusté, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je pouvais rien faire. Viens, bisous. Non. Qu'est-ce que c'est bon, ces petites olives? Qu'est-ce qu'on fait, on passe à table? Bonne idée, mon chouchou. Mais dis, chouchou, et si on mettait les enfants à notre table, ça pourrait être super sympa, non? Mais non, il y a déjà les deux témoins, ton parrain. Ah oui, c'est vrai. Bon, c'est pas grave, on en parlera plus tard. Alors, comment on s'assoit? On fait un banc de table? Mais il était super déconnant, celui-là. Bon, allez, asseyez-vous. Je vais chercher l'entrée. Allez, asseyez-vous. Un tonne de Il y a autre chose? Quoi? On a tout dit. Oui. Vous vous êtes juste revus, c'est tout? Oui. Ah, tu sais ce qu'on va faire? On va se dire que ce soir, on se laisse une dernière chance. C'est n'importe quoi. On se laisse une dernière chance. Allez, sois pas triste. Regarde, moi je suis pas triste. Tu sais, moi je t'aime. Hein. Moi ce que j'aime bien dans cet appart, c'est qu'on pourrait presque voir la tour Eiffel depuis la fenêtre. Ah bon, on la voit? Ah non. Les voisins, eux, ils la voient bien parce qu'ils sont juste en face.
c'est les ouvriers qui l'ont installé, c'est pour les travaux, on s'en sert presque tous les jours. Hein. Ah oui, c'est un palan. Et quoi? Un palan. Si, c'est rapide. C'est pour ça qu'on met les plans bas, c'est pour garder la place pour le camion. Pareil, que les le mettre en partant, vous l'avez vu. Et voilà l'entrée. Alors, salade de crevettes à l'avocat. Je vais prendre vos assiettes. Elle mange, tu crois, ta copine? Ah non, mais parce que je préfère demander avec les religieux, on ne sait pas trop, hein. Ça vient donner un petit coup de main, s'il te plaît, mon chéri. Américaine ou anglaise, peut-être, ou alors Patricia, c'est quoi ton prénom, ça?
Patricia, c'est pas plutôt anglais. Les courses en anglais, c'est pas une insulte. Même à la limite, si elle a compris off course, y a pas de quoi se vexer. Oh là là, chouchou, tu veux pas aller voir. Dans le dico. Mais non, dans la chambre. C'est... De toute façon, le dico, il est dans la chambre, alors... Oh, I'm sorry. Oh, en anglais, j'ai toujours été nulle. Autant en histoire, la géo, j'étais douée. J'étais même la première, mais bon, l'anglais... Oui, oui. Je peux reprendre la salade? Mais oui, bien sûr. Hein, j'ai revu depuis la fac, c'est l'autre, là, comment il s'appelle là, On n'a pas mis le pain, chérie. Ah oui, le pain. Ah oui, le pain. Mais j'y vais, j'y vais. Vous êtes allé au cinéma récemment? Non, pas récemment, non. Je remarque non plus. Non, on peut faire des DVD, comme ça on a plus à devoir sortir, c'est plus pratique. Il est où le bout de la pain, chouchou? J'arrive. I'm come back. Ils ont pensé qu'ils comprenaient pas le français, c'est tout. C'est tout. Et ça sort d'où? Tu leur as dit que j'étais portoricaine? Alors tout ça vient. C'est ta faute aussi, tu tires ouvertement la tronche, tu dis même pas bonjour. Alors eux, apparemment, ils ont cru que tu comprenais pas le français, c'est tout. Mais je vais leur expliquer. Tu vas leur expliquer quoi? Que je tire la tronche? Tu peux leur dire pourquoi aussi, si tu veux. Ah non, arrête, s'il te plaît, arrête. Tu ne vas pas leur dire. Et voilà le pain. Alors, tu vas prendre la salade. Oui, juste un peu. Et Patricia, toi vouloir encore salade? Ah, vache la vanigrode. Je crois qu'elle veut de la salade. Quand même, on a parlé pour le moment de la guerre.
qu'il est allé Kouchner à un moment. Ah mais oui, c'est ça, t'as raison, t'as raison. Et alors, elle parle pas du tout français. Petit pot. Petit feu. Ah. Ah mais non. Ah mais non, mais tu parles bien. Tu parles même super bien. Et vous, vous parlez comment tous les deux? En anglais. Et Tchapan, chouchou, chouchou. Ma belle petite, qu'est-ce que t'as dit dans la lame? Elle a dit que parler chouven, c'est pas ça? Oui, Christophe, un fils chouven. Tu parles chouven? C'est pas trop dur? T'as fait comment? Ah, mais non, j'ai pas vraiment appris, j'ai rien à dire du tout. Hein. Oh, hé hé hé! Oh, t'as posé l'oreiller, t'as raison, c'est meilleur des méthodes! Oh, chouchou! Et tu sais dire quoi? Non, mais je sais juste dire que quelques mots, c'est tout. Ah, alors comment on dit? Pas grand chose, je sais juste dire bonjour, merci, c'est tout. Ben voilà, comment on dit bonjour? Bonjour, tu veux que je te dise comment on dit bonjour? How do you say hello in your language? Chouvenari bonjour? Rendivari ramol! Ben voilà, ça se dit ramol. Oh génial! Ramol Patricia! Ramol chouchou! Oh. Nathalie! Ramol Nathalie! Oh, c'est génial! Merci. Merci. Stropi. Stropi. Stropi, Charunara. Stropié. 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 Si, stropié. Stropié, Patricia. Para stropiou. Oh, c'est génial. Bon, allez, je vais chercher gratin. Comment on dit je vais chercher gratin? Alors là, je serais pas le cas. Oh, c'est pas grave, allez. Je vais t'aider à sortir du four, chouchou. La Chouvénie. Mais d'où sort ce truc? Mais enfin, tu connais pas la Chouvénie? Le pays des choux et des chouchous. Oh! Pour le Japon. Ah bon? Ah, c'est un bon story pour le Japon? Oui, c'était il y a longtemps, très très longtemps. Curious Lady, Mr. Rena Story. Ça va, c'est là, on peut dire que tu l'as aimé, hein. Je sais plus. Qu'est-ce que t'en as fait morfler? Ouais, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Je sais plus. Vous voulez dire autre chose? Comment ça s'appelait déjà? On peut pas parler. Oui, mais je comprends, ça te fait souffrir, c'est normal. Mais non, pas du tout. Mais si, je le vois bien, rien d'en parler, ça te fait encore souffrir, c'est vraiment cicatrisé. Tu te rappelles quand même, c'est dégonflé ce qu'elle avait fait. Elle avait écrit ton nom sur les murs de métro avec des insultes. Alors c'était elle qui te quittait. Oui, oui. Oh. Comment ça s'appelle? On ne peut pas parler d'autre chose, ça. Si. On peut parler. On peut parler des Espagnols. Rappelle-toi de délire. Des Espagnols. Ah, oh, délire, les Espagnols, des Espagnols. Ah, rappelle-toi de délire, pas les os. Ah oui, pas les os, ça me dit vaguement quelque chose. Pas les os? Oui, pas les os, des amis de Jean-Luc. Ah, mais pas du tout, c'était toi qui les connaissais. Non, mais pas plus que ça. Ah, les amis espagnols, pas les os. Mais comment on a pu faire un truc pareil? Non, mais je me demande comment on a pu faire ça. Tu te rappelles quand les autres ont emmené à Paris? Oh, mais t'en parles pas d'atelier. Je te fais confiance, Christophe. Oh là 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 là. Et voilà le gratin.
Déjà, fromage, cheese, et pommes de terre. Comment dit pommes de terre déjà, j'ai oublié. Ah, je le savais, mais. C'est pas grave. Pommes, c'est. Déjà, c'est apple. Non, mais elle a déjà mangé, mon ami, elle connaît. Ah, bon, bah, tant mieux. Ça te va, tu en veux plus. Je vais lui faire une cuillère. Alors, Asie politique, Asie mineure. Comment ça marche? Attends, il y a un index. Alors, Châteauneuf-sur-Charente. Châteauneuf du Pape, Chigny, choisis leur nom. On essaie de me refroidir. Chorilos, chou, ça s'écrit chou, C-H-O-U oui, je crois, ouais. Alors, voilà, Chouvigny. Jean-Luc, c'est vraiment très bon, hein. Merci. C'est bizarre, je trouve fort. C'est parce que ça n'existait pas encore, si ton atlas date du temps de la Yougoslavie. C'est quoi la capitale? Capitale. Chougrade. 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 Non, mais ça a été baptisé pendant la guerre, tu ne trouveras pas. Ça s'appelle comment maintenant? Non, mais là je préfère qu'on arrête de chercher, on risque de réveiller des souvenirs douloureux pour Patricia, tu comprends? Bon, tu crois? Elle a beaucoup souffert, je veux dire, personnellement? Non, c'est pas vraiment ça, c'est un peu plus compliqué que ça. Enfin bon, je crois que c'est pas très bon pour elle qu'on se focalise comme ça sur son pays. Ce dont elle a surtout besoin maintenant, c'est pas vraiment de l'oublier, mais plutôt de se sentir normal. Si jamais c'était possible. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Rien. Si, goûtez ce magnifique gratin. Magnifique, c'est beaucoup dire. Hein. C'est vraiment très bon. Hein. Merci. Merci, Patricia. Comment on dit merci déjà? J'ai oublié. Comment on dit merci? Merci. Oui. Tu veux savoir comment on dit merci? Je le sais, ne me soufflez pas. Ça finissait par pied, c'est pas ça? Ah bah tu me demandes de pas souffler, moi je souffle pas. Tranquille, oui. Bravo, alors là, tu m'impressionnes. Ah, mais non. Tranquille. Ah, des fois, je m'étonne aussi. Je m'épate. Et alors, t'es dans une association humanitaire? Pourquoi? Vous êtes rencontrés comment, tous les deux? Ah oui, en fait, là, on s'est rencontrés à Paris. Hôpital. Yes. Vous vous êtes rencontrés à l'hôpital? Si, hôpital. Elle est venue pour se faire soigner? Voilà, c'est exactement ça. Elle est venue pour faire soigner. Moi, j'accompagnais un copain aux urgences. Et voilà. Ah, mais comme dans un film. Incroyable. Et alors, le coup de foudre? Ah, c'est insensé. Ah oui, c'est insensé. Hein. Moi-même, j'ai parfois du mal à y croire. Alors, du coup, elle est restée. Oui, c'est un peu plus compliqué que ça, mais beaucoup plus compliqué. Elle venait se faire soigner, pourquoi? Ah non, parce que ça me gêne d'en parler. C'était gynécologique, c'est ça? Non. Mais je vous demande pas, ça. Comment c'est tout le monde à ça? Non, mais si, c'était rien de grave non plus, mais bon. Oh, je suis désolée. Tu veux jamais rien comme les autres, en tout cas. Je ne suis pas le seul. Bon, allez, qui remet du gratin? Allez, liste un peu pour le plaisir. Mais moi aussi, parce que c'est très très bon. Trop pied. Vous connaissez plus longtemps, tous les deux? Pas très longtemps, c'est comme ça qu'elle parle pas très bien le français. Ça fait combien de temps, à peu près? Un an? Oh non, un peu moins. Beaucoup moins, ça fait 6 mois. Ah oui, c'est tout nouveau! Non. Il y a un truc qui vient à l'idée là. Bah, enfin, t'es pas obligé de baisser la voix, chouchou, elle comprend pas le français. Ah, mais super. Vas-y, un peu quand même.
Il m'a littéralement plaqué au sol. Oh mais non, pas la première nuit. Oui, c'est vrai.
Oui, la première nuit, c'est quasiment rien passé. Ah ben, je t'ai quand même fait un massage des pieds. Hein. Mais moi, c'est ça qui m'a plu, qu'il se soit quasiment rien passé. Ah, oh, c'était bien. On a dormi toute nuit serrés l'un contre l'autre. C'était complice, hein. Comme si on pouvait tenir ensemble dans une petite cuillère. Par contre, oh, la nuit d'après, on faisait des feux d'artifice. On n'a pas arrêté de la nuit. On était descendu dans un hôtel. Je ne sais plus repasser par la réception. Je me suis cassé la voix à force de crier. C'est pas pour le fromage, Chouchou. Mais j'ai Chouchou. Et vous, ça s'est passé comment? We do not make love. In my country, Chauvinia, before the marriage, niente. Interdito. Vous n'avez pas le droit de faire l'amour avant le mariage? En théorie, surtout, moi. Comme au Moyen-Âge? Oh non, pardon, je suis pas droite, c'est pas ce que je voulais dire. Alors là, je reviens pas. Pas avant le mariage. Mais en même temps, quelque part, j'admire. Hein. Oh, je suis désolée. J'aurais jamais dû vous parler de la vie à l'hôtel. Mais non, pourquoi? Je suis désolée. Je vous ai choquée. You are shocking. Alors? Et voilà le fromage. Voilà. Ce qu'elle t'a pas raconté, c'est qu'après, on est parti une semaine en vacances à New York. Chouchou? Quoi? Rien. Ce que dit Chouchou. On a rien visité tellement qu'on a arrêté pas. Chouchou. Bonjour le stagiaire touristique. Chouchou. Alors la première... Non, Jean-Luc, ça va, on va peut-être parler d'autre chose. Pourquoi tu te fâches, Chouchou? Je me fâche pas, mais enfin bon, ça les intéresse pas forcément. Enfin, qu'est-ce qui se passe, Chouchou? Bah, rien, ça va maintenant, c'est bon. Tu vous changes les assiettes? Mais un bisou d'abord. Non, non, t'en as déjà eu un. Hein. Change les assiettes. Bisou. Non, c'est bon, là, maintenant t'arrêtes un peu. Mais enfin, qu'est-ce que t'as, Chouchou? Mais rien, et puis arrête de m'appeler Chouchou maintenant, c'est bon. Mais comment veux-tu que je t'appelle? Et puis ça va, t'arrêtes pas de te donner un spectacle, là, c'est bon maintenant. Mais enfin, Chouchou, qu'est-ce qui t'arrive? Mais rien, et puis arrête de m'appeler Chouchou, c'est ridicule. Mais Chouchou. Ça va crier ici non plus, c'est bon maintenant. Oh, mais Chouchou. T'es content? Ça, pour être calmée, elle est calmée, non? T'en fais pas peur. Ils vont passer la nuit tout nus à se masser les doigts de pied. Eh ben, nous dit bientôt. Où ça? Et dans son pays. Non, parce que je pensais à un truc, on avait mis de côté des couvertures pour une association. C'était pour un tremblement de terre, je suis plus aimé, mais ils sont jamais venus les chercher. Peut-être lui donner à Patricia. Comme ça, on va leur donner là-bas, dans son pays, pour ses amis, sa famille. Ou alors, si elle n'y va pas, pourra tout le temps le faire suivre en souvenir. Oui, c'est une bonne idée. Mais non, mais je crois pas qu'ils aient besoin de couverture là-bas. Hein. Attends, je vais te la montrer. C'est pour faire tout ça, elle a quasiment jamais servi. Mais non, mais vous dérangez pas, hein. En tout cas, moi, je tenais à vous dire que je vous envie. Si, c'est vrai. Vous deux, c'est pas superficiel. Vous savez vous aimez vraiment et vous savez vous donner une vraie preuve d'amour. Oh, je trouve que ce que vous faites, c'est magnifique. Si, attendre jusqu'au mariage, moi je ne sais pas si j'en serais capable, mais ça me tend très bien, un échange plus spirituel. Bon, peut-être pas six mois, mais... Regarde. Elle est nickel. Mais non, on va pas vous prendre votre couverture, là. Si, t'as fait nous chouver. Ah non, Patricia, non, mauvaise idée, là. Pour moi, du moment que ça peut rendre quelqu'un de malheureux heureux, moi, c'est ce qui compte. Hein. Et dis, Chouchou, on avait pas aussi un pull bleu et vert, là, tu sais, avec un lapin dessus. Tu l'as mis qu'une fois, ça t'allait pas. Tu peux peut-être lui donner. Ah oui, c'est vrai. Pull en vert. Ça me mettrait mal à l'aise, vous vouliez la donner à une association... Ah non, mais ils sont pas venus la chercher, ça va faire de moi. Non, mais vous donnez à Emmaüs... Non, je la donne à Patricia pour la chouvenie.
Ça me fait d'être solidaire. Moi, je ne peux rien donner pour la chouvenir. Vraiment, ça me fait plaisir. Il est où le plus chouchou, en fait, Nathalie? Il est hors de question que tu repartes avec quoi que ce soit d'ici. Ni pull, ni couverture, ni rien. Mais attends de voir la tranche du pull. Ah non. Et franchement, si je le joue bien, ça mérite de gagner un pull. Ça mérite rien du tout. En plus, on repart habillé pour l'hiver. Ça commence à me plaire, comme soirée. Non, c'est du vol. C'est pas du vol, c'est des cadeaux, ça ne se refuse pas. À la limite, si le pull est trop moche, on peut le revendre. Ouais, écoute, Patricia, tu m'as bien compris, tu refuses tout. Écoute, Christophe, je te trouve un peu égoïste. Le peuple chouvène crève de faim à 2 heures de Paris, et toi, tu fais rien pour eux. Mais bien sûr. Vive la Chouvénie, libre et indépendante. Et autoproclamée, apparemment. Exactement, t'as tout compris au Balkan. Bon, écoute, faut arrêter de délire maintenant. Si toi, tu refuses pas, moi, je refuse pour toi. Il y a des limites, d'accord? Et voilà le pull. Alors là, il y a une petite tache. Mais j'imagine que pour un pauvre, c'est pas très grave. Non, mais je crois pas qu'elle retourne dans son pays avant longtemps. Hein. Elle connaît pas quelqu'un qui a un camion? Un camion, mais pourquoi un camion? Mais il faut pas des convois pour les médicaments. Un pull, ça prend pas beaucoup de place. J'ai trouvé ça aussi. Oh non, mais non! Si c'est une horloge avec un coucou qui sort toutes les heures et qui fait coucou. Donc, regarde, ça lui plaît. Jean-Luc, c'est peut-être pas très humanitaire comme cadeau, ça. Mais comment ça sert plus? Donc on va quand même pas leur donner les affaires simplement parce que ça nous sert plus. Il faut aussi que ça leur soit utile. Le coucou, c'était pour l'échanger avec le pull. Parce qu'il y en a un coach et un copain, on a une soirée lapin, alors c'était la soirée idéale pour leur mettre. Elle va se faire cette soirée lapin. Puis on peut le garder jusqu'à la soirée et puis leur redonner après. Non, tu leur donnes le pull. C'est pas grave, écoute, tu t'achèteras des oreilles. Non, mais t'as raison. Donne-leur. Moi, bon, un peu le garder. J'ai une autre idée. Ah, au fait, pour la soirée lapin, je peux peut-être en parler à mon copain, des fois qu'il pourrait venir. C'est quoi le principe, hein? Tu viens déguisé en lapin et tu manges des carottes. Ah oui, pourquoi pas, ça dépend quand c'est. Je suis quand même assez pris en ce moment, tu comprends. Et ce sont des t-shirts de ma boîte. Hey, t'avais pas des casquettes aussi? Tu les as données à ma nièce. Les cendriers. Tu te débrouilles comme tu veux, mais tu m'en... Embrasse-moi. Pardon? Embrasse-moi. Tu ne comprends pas le français? Je peux te le dire en chouvène si tu veux. Inris tanibalou, talferis, trimatorivol. Ah d'accord, c'est parce que j'avais compris. Embrasse-moi ou je disparais pour toujours. Tu ne me reverras plus jamais. Je repars en chouvène. Ce serait dommage, non? Un jour viendra où tu m'expliqueras ce qui se passe dans ta tête. Hein. Excuse-moi pour tout à l'heure. Oui, on en est, pourquoi pas. Tu m'aimes? Et cette histoire de mec, on n'en parle plus non plus? C'est n'importe quoi, j'aurais jamais dû te parler de ça. Je sais pas comment j'ai fait, mais visiblement, j'ai retourné la situation d'une manière spectaculaire, là. Ça doit être ici. Il y a une ambiance qui me fait redevenir amoureuse. Pourquoi tu l'étais plus? Chut. Et voilà! Alors, Chouvenia, j'ai tout mis dans un grand sac. Tu verras, j'ai aussi mis du Doliprane. La date est dépassée, tu fais pas gaffe, à la limite ce sera plus efficace. Savon de Marseille, antiseptique. Et puis j'ai mis des crayons pour les enfants des écoles. Et le coucou, il ira très bien dans la classe pour les enfants des écoles. Allez, prêt, coucou. Qu'est-ce qu'on peut donner d'autre? Rien. Allez, bon, on va pas passer la soirée focalisée sur Patricia, on risque de la mettre mal à l'aise. Tu vas peut-être faire un chèque? Pourquoi faire? Pour la chouvenir. Non, parlons d'autre chose, on n'est pas là pour parler de la chouvenir toute la soirée, là, hein. Chèque? Non, Patricia. Mais tu vas pas faire un chèque, hein. Le seul truc, si je peux en voir, c'est pour la réduction d'impôt, ça m'arrange un petit peu. Mais non, mais justement, c'est quand même pas droit de réduction d'impôt, c'est pas la peine de faire un chèque. Chèque? Non, Patricia, non. Ah, cela vaut mes chèques? Non, c'est un chèque combien? Tu mets 100 euros. C'est pas trop. 80 alors.
Non, mais c'est qu'il n'y a pas la réduction d'impôt, alors ça m'embête. Ah, bah, je crois que je mets 60 si tu veux. 60, mais c'est pas un peu beaucoup pour un chouette. Oh, bon, hé, je vais mettre, vu qu'on a déjà les t-shirts et la couverture, hey, je vais mettre 35 euros. Alors, 25 euros. Ah. Là, je mettrai alors en vrai. Bon, allez. Moi, je vais chercher les assiettes. Hein. Je vais t'aider, chouchou. Merci. De quoi? Pour le chèque, il est à moi. Ah non, tu risquerais d'encaisser. Mais j'espère pas que je vais encaisser. Donne. Non. Donne-moi ça, c'est moi qui l'ai gagné. Non. Donne-moi ça ou je te quitte. Ah oui, tu me quitterais pour ça. Ouais, j'ai failli pour moi ça il y a moins d'une heure. Donne. D'accord, mais tu n'encaisses pas, hein. Merci. Alors. Tiens! Oh non, maman! Non, non, on en achète une autre année. Et si là on pourra du Nescafé, c'est pas très grave. Mais non, mais on va pas prendre votre cafetière quand même. Par contre, tu mets qu'à la fin de l'année. Parce qu'une fois sur deux, ça coule à côté. C'est pour ça qu'on la change, mais sinon elle marche très bien. Mais non, on peut pas prendre tout ce que vous nous donnez, c'est vraiment pas possible là. Mais si, mais moi ça me fait plaisir. J'ai l'impression de me rendre utile, c'est la première fois que ça m'arrive, alors... Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait donner d'autre qui ne sert plus? Qui marche plus? Ah non, Jean-Luc, la vraie générosité, c'est de donner des choses qui marchent encore. T'as raison. Oh, aslitat per escavol. Tat per escavol, patalavoun. Ah, elle parle du tableau. Elle a l'air de le trouver joli, hein. Ah non, Patricia, arrête. Ok, quête de relique en grand monde. C'est un tableau qui me vient de ma grand-mère. De ta grand-mère? Mamouchkaya? Grand-mère? Oui, c'est sa maison. Oh, tat per relique, mamouchkaya nourani. Non, 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 non. Non, 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 il est hors de question qu'elle le prenne, hein. Ah non, non. Mais si ça lui fait plaisir. C'est la maison de ta grand-mère. Ah mais non, mais vraiment, il n'y a pas de problème. En plus, la maison, on l'a revendue. Alors franchement, si ça lui fait plaisir, ça ne me dérange pas de lui donner. On va chercher un plastique et des journaux pour l'emballer. C'est parti. Non, non, mais c'est vraiment pas possible, hein. Mais regarde, ça lui fait plaisir. Je prends quoi comme journaux parce qu'il y a des petits formats. J'arrive. Remets-le à sa place. Non, c'est un cadeau, ça ne se fait pas. C'est pas un cadeau, tu l'as carrément demandé, tu l'as exigé. Il fera très bien dans le couloir si toi t'en veux pas. Remets-le à son trou immédiatement ou je leur dis à quoi tu joues. Et que toi-même tu t'es foutu de leur gueule. Tant pis, moi je préfère ça plutôt que de guider leur appart. Moi je vais pouvoir me regarder dans la glace, d'accord? La glace? Très bonne idée. Non. Non, 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 non. J'avais besoin d'un miroir pour le couloir de l'entrée. Non, non, remets ça à sa place. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Il est pas terrible, hein. On donne. Le prend quand même. Donne-moi ça. Dis sûr que c'est pas trop petit, t'es les poches pour emballer un tableau. Ça le protégera, c'est ce qui compte. Allez. Attends, il garde la place de la plaque parce que c'est pas pour lui. Donne-moi ça. Là, il y a lui qui fait les poches. Je vais chercher le plastique. Donne. C'est un monnier. Bon, très bien. Tu l'as rendu. Voulu quoi? Non, non, rien. En fait, je disais que. En fait, je voulais te dire un truc. Une confidence, en fait. Elle, enfin, Patricia, tu vois ce qui se passe depuis le début là? En fait, voilà. Non, c'est pas ça. En fait, on s'est un peu engueulé dans la voiture en arrivant. Qui ça? Bah, Patricia et moi. On était un peu tendus en arrivant. Et voilà. Et voilà ce qui se passe. Ils sont où les sacs plastiques, chouchou? J'arrive. Bravo. Très convaincant. Mais je vais leur dire, t'inquiète pas. Tu en étais à... En fait, voilà ce qui se passe. Je sais très bien où j'en étais, je te remercie. Ah. Tu vas m'aider. Eh, je lui ai mis ça aussi. C'est quoi, un CD? Ouais, c'est le Hongrois qui nous a refait l'électricité, qui me l'a donné, on ne l'a jamais mis. Alors... Elle a rien à voir avec la Hongrie. Mais ça peut peut-être lui plaire. Alors ça, musique, Hongrie. Hongria? Strabodi, Hongria. Qu'est-ce que tu fais? Je la décroche sur la jumelle. Mais qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous faites? Je vais donner ton dur. Ça va pas aller avec l'ensemble. Non, 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 arrêtez tout là, il faut que je vous parle. Mais la porte, elle est chère, hein. Non, non, non. On l'a même pas payé du tout, c'est un cadeau de ta mère. Non, non, arrêtez. Elle est. Elle est. Thank you.
C'est une blague. C'est une blague, on vous fait marcher. Oui, mais ça, c'est pas sympa. C'est même inexcusable. Vous allez m'en vouloir, mais dansez pas Zigane, hein. Videz pas votre appart pour elle. Elle est française. Qui ça, Patricia? Oui, elle est française. Mais pourquoi tu dis ça? Ben parce que c'est vrai. Ah, ça te gêne qu'on lui fasse des dents. Mais non, mais c'est pas ça. Simplement, je te dis, elle est française. Alors là, moi, je comprends plus rien. Ben. Pourquoi tu dis qu'elle est française? Ben parce qu'elle est française. Elle est pas chauvaine. Non, ça, c'est ce que tu as cru. Elle vous fait marcher, là. Enfin, moi, je sais bien qu'elle est chauvaine. Patricia. Slavonia. Slavonia, rien du tout. Dis-leur que tu es française. Rache ta gosse. Et Patricia, t'es née dans le 14e, ça suffit maintenant. Bah, Henri Nero, les taillettes. Ah, ben, je vois bien qu'elle est chauvaine. Vous allez voir, ce n'est pas française. Regardez sa carte d'identité. Elle est née à Paris, 14e. C'est sa photo? Ah ben moi, j'y comprends plus rien, là. C'est sa carte d'identité? Voilà, je suis désolé, Patricia, je te mets un peu la honte, mais c'est bonne guerre, t'étais prévenue. Papolizé. Mais oui, bien sûr, Papolizé. Pasteur Abel, Pasteur Avonien. Papolizé. Elle a peur de la police. Non, mais je vous dis, elle est française. Bon, ok, vous voulez pas me croire? Moi, c'est bon, vous avez gagné, j'abandonne. Allez, vas-y, Patricia, vide leur tiroir, vide leur appart, moi, je dis plus rien. Aller demain, préfecture Bobigny. Tu veux que je l'appelle? Ah, ça, ça t'ennuie pas? Mais non, c'est mon beau-père. En plus, ils sont à la maison toute la soirée, ils reçoivent des amis. D'habitude, ils raccompagnent tout à l'aéroport, mais là, vu que ce sont des amis, il m'a peut-être proposé autre chose. Tu appelles ça raccompagner, toi? Faudra peut-être pas qu'il me renvoie au Cameroun, quand même. Hein. Je crois que c'est peut-être ta solution. T'es déjà allé au Cameroun, Patricia? Allô, maman? Oui, c'est moi. C'est que j'ai besoin de demander un petit truc à Patrick. J'en ai pour 2 minutes. Oui, d'accord, merci. Tu lui dis quoi? Demande-lui s'il parle chouvaine. Comme ça, tu pourras le passer directement, Patricia. Allô, Patrick? Oui, excuse-moi de te déranger. C'est qu'en fait, ils sont un couple d'amis et là, j'ai besoin d'un petit conseil. En fait, c'est des réfugiés politiques. Mais pour l'instant, elle est clandestine. De Chouvenny. La Chouvénie. Bah, ici, on est Yougoslavie. Je comprends pas, il est mort de rire. Mais si, on est Yougoslavie. Elle vient de quelle ville? Ah, Chougrade. Elle vient de Chougrade. Ça a changé de nom avec la chute du mur. Ça a changé de nom à cause d'un mur qui s'est écroulé. Alors il dit ça n'existe pas. C'est
c'est normal, ils s'occupent que de l'Afrique, c'est normal, ils connaissent pas. Mais non, c'est bizarre. Mais non, mais depuis tout à l'heure, je vous dis que ça n'existe pas, un souvenir. C'est quand même pas normal qu'ils disent que ça n'existe pas. Mais si, c'est normal. Non, mais c'est peut-être sa façon à lui de te dire qu'il ne pourrait pas parler. S'il avait des invités à côté de lui, c'est sa façon à dire qu'il ne pourrait pas être explicite, quoi. Ah, tu crois? Oui, il t'a dit que tu rappelles demain matin. Oui, c'est vrai. Voilà, s'il avait des invités à côté de lui, il ne pourrait pas nous dire qu'il veut obtenir pour des amis, des passe-droits, des papiers en tout, c'est tout. Attends, et imagine, il risque gros, hein. Bon, ben alors, si on peut même plus compter sur Patrick pour arrêter le délire, autant y aller carrément. Hein. Vas-y, Patrick, on va faire la télé là-bas. Mais vous irez pas loin, c'est une noire et blanche qui va pas très loin. Justement, c'est Rapunzel, une noire et blanche qui tombe en panne. Rien que, t'as donné, hein, de toute façon, mon noir et l'autre, on pourra pas mettre dans la liste de mariage, alors. Tu veux leur télé? Gordarine? Télé Para, Ouzera, de télé, Gordarine. Sloborade, télé? Oui. Rastavolou, TF1, France 2. Canal Plus, Pastarani, Gordopanou, noir et blanc. Et puis t'as appuyé en combien de temps? Tu parles vachement bien chouette! 5 minutes! Stage intensif, immersion totale! Mais non, je plaisante! Mais on est comment on fera demain matin si on a pu lâter le petit déjeuner? C'est comme si on était en vacances, on peut bien s'en passer pendant 3 semaines quand même! On est bien en vacances, on peut. Oui, mais bon, on n'a jamais essayé, ça ne veut pas nous faire de mal! Bon, d'accord. Bon, allez. Allez, tant pis. On se jette à l'eau? Allez, donne-lui la télé. Tu verras, c'est pas lourd, ça tient un petit sac plastique. Ouais, bon. Merci qui? Tu veux autre chose? Rabat Curry, Panarame, Rodelou? Sloborade. Oh, Venezia. Oh, mais c'est joli, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est Venise. C'est Venise. Pourquoi qu'on la retourne? Ça fait de la neige. Elle veut la prendre? Enfin, Jean-Luc, tu vas pas lui donner ma boule? Pourquoi, Chouchou? Enfin, Jean-Luc, tu veux faire ça? Non, pas Jean-Luc, mais qu'est-ce qu'il prend? Mais comment tu te fais, Chouchou? Tu lui donnes la boule? Tu veux faire ça devant moi? Enfin, je lui donne pas, Chouchou. Elle me demande ce que c'est, je lui explique ce que c'est tout. Ben vraiment, celle-ci, je m'en souviens pas, alors je te remercie. Oh là là, j'en ai jamais vu. À Venise? Ah non, à Carrefour. Ah oui. Jamais j'aurais dû le proposer, jamais. C'est embêtant. C'est pas gagné pour la vie. Hein. Fais-moi confiance, ils vont me la donner. Ah, je suis pas sûr, c'est quand même le souvenir d'un voyage en amoureux à Carrefour. Hein. Tu paries combien que je repars avec? Alors là, si t'arrives à repartir avec la boule de Venise, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on parle? Si tu arrives à repartir avec la boule de Venise, je t'épouse. Ah oui? Oui. Et tu me proposes quoi comme mariage exactement? Un mariage blanc? Ah non, non. Un vrai mariage avec un spectacle de skate sur ta vie, de ta naissance à la souvenir. Et en plus, je te fais un enfant. Carrément? Oui. Tu m'épouses? Et tu me fais un enfant? Oui. Et si je ne repars pas avec? Eh bien, je te livre à Patrick et je t'envoie au Cameroun. Alors, tu choisis quoi? C'est pas évident. Je te remercie. Elle n'est pas fâchée? Pourquoi? Pour la boule, je voulais pas lui faire de peine. C'est vrai, j'y avais pas pensé avant, mais... Je peux très bien lui donner. C'est pas grave, je m'en prendrai une autre à la quinzaine de l'Italie. Bah oui, bien sûr. Mais oui, mais si la quinzaine est terminée, je la retrouverai pas. Mais ça a commencé mercredi d'avant. Mais bah, des fois, les quinzaines, ça dure que 8 jours. Hein. Maintenant, cette fois-ci. Bon, alors, je fais quoi? Je
Réfléchis bien. Je suis sûr que tu veux lui donner un premier temps. C'est très important pour moi. Bon, allez. Allez, je lui donne. C'est pas le temps, j'en prendrai une autre à Leclerc. Ah non, à Carrefour. Ben non, enfin, Jean-Luc, à Leclerc. C'était pas un Carrefour. Ben, je me souviens quand même où on est allé ce week-end. Oui, mais moi aussi, mais enfin, c'est... de toute façon, c'est pas important. Mais enfin, si, c'est important. Mais tout ce qui concerne nous deux, c'est peut-être pas important pour toi, mais pour moi, c'est très important. Très important. Mais si, Chouchou, mais pour moi aussi, Chouchou. Ben, pourquoi tu dis que c'est pas important? Mais je sais pas ça comme ça, Chouchou. Alors, tu lui donnes ma boule. Et en plus, tu dis que c'est pas important, mais vraiment, je te remercie. Hein. Ben, Chouchou. Je te remercie. Là. Non mais je suis vraiment désolé, d'habitude jamais elle est comme ça. Mais c'est de notre faute, on aurait jamais dû vous parler de la boule de Venise, je suis extrêmement gêné là. Oh, une boule. Ah, si vous voulez, on en a une autre de la chambre, une boule avec deux châteaux. Si vous voulez, comme elle connaît pas la France, ça peut être domaine Leclerc. Ah oui, vous l'avez ramené du Leclerc. Non, Châteauroux. Ah, ça fait 3 ans qu'on se connaît, jamais on s'est disputé comme ça, jamais. Fâché, Chouchou. Puisque visiblement ça ne te dérange pas que je lui donne quelque chose que tu m'as offert. Non mais lui donne pas. Tiens Patricia, retourne. Tu verras comme ça fait joli. Stropié, Natalia. Merci. Stropié, Christophe. Astari. Eh bien, eux au moins, ils savent apprécier. Mais Chouchou, te fâche pas. Ah, mais je fais ce que je veux. Mais Chouchou, mais Chouchou. C'est une fille. On l'appellera Venise. Et si c'est un garçon ? Châteauroux. Tu savais que c'était joli sous la neige ? On y va ce week-end si tu veux. Tu m'emmènes où ? Et voilà la tarte. Alors attention, c'est une tarte. Non mais j'en veux pas moi. Personne de fromage? Non, c'est vrai, merci. Je me suis complètement idiot d'emmener le dessert alors qu'on n'a pas envie de fromage. Mia, tout ce que je fais, tu me critiques alors. Ah, personne veut de fromage? Non mais t'en veux peut-être toi? Non, c'est excuse-moi si ça me fait plaisir d'apporter ma tarte. Bon, je vais prendre vos assiettes. Quand j'étais au lycée, j'étais amoureuse de mon prof de philo. C'est un petit peu comparable parce qu'en fait, il s'est quasiment rien passé non plus comme pour vous. En fait, il était président des amitiés franco-nord-coréennes. Il n'avait pourtant pas le type asiatique, mais moi, j'ai toujours cru qu'il était coréen. En fait, il était communiste. Tout ça pour vous dire que le jour où vous ferez l'amour, si un jour vous le faites, hein, mais c'est évident que ce soit forcément formidable. Your tart is very good. Oh, thank you. C'est quoi cette histoire de prof de philo? Rien. Ça ne te regarde pas, c'est mon histoire. Qu'est-ce que tu crois? J'ai existé avant de te connaître. Mais je sais bien, Chouchou. Oui, bon, alors t'es gentil, tu me laisses respirer. Qu'est-ce que ça va, Chouchou? Je te dis simplement que j'ai le droit de vivre. J'ai jamais dit contraire, Chouchou. Oh, et puis ça va, je m'appelle Nathalie, d'accord? Arrête. Et puis tu me feras le plaisir de ne pas te laisser toujours tout imposer par ta mère. Ben oui. Bon, alors, les cousines sur le mariage du grand-père, là, c'est même pas la peine. On avait dit 50-50 et t'en es à 21 invités plus que moi. Alors tu te débrouilles comme tu veux avec ta mère, c'est plus mon problème. T'es gentil, t'arrêtes de parler de ma mère. Je crois aussi, oui. T'arrêtes de parler de ma mère qui donne quand même 8000 euros pour le mariage. 8000 euros qu'elle n'a toujours pas donné. D'ailleurs, et en entendant qui est-ce qui les avance, ça c'est pas toi. Oui, je sais, c'est ta sœur. Oui, ma sœur qui donne déjà beaucoup par rapport à ce qu'elle gagne. Mais d'ailleurs, ça c'est pas normal que ton père donne si peu que tu sois obligé de faire un emprunt. Mon père? Mais de quoi je me mêle avec mon père? Il nous a payé l'appartement, mon père. Ça te plaît pas, t'as qu'à dormir ailleurs. Je sais bien, Chouchou. Ouais, puis ça va, hein. Ne m'appelle pas Chouchou, c'est ridicule. Et c'était à Leclerc, hein. Je m'en souviens très bien parce qu'après on a mis de l'essence. Ah oui, t'as raison. Café, café? Ah oui, c'est une bonne idée, on peut vous faire un café si vous voulez. C'est fou ça. T'es pas encore mariée quand...
remarque. On se dispute pas, on discute. C'est normal quand on organise quelque chose d'aussi monstrueux. Comment on fait problème? Monstrueux? On se marie et c'est monstrueux? J'ai pas dit ça comme non, ça. Mais faut pas te marier avec moi si c'est monstrueux, hein. Mais chouchou, j'ai pas voulu. On se marie dans 3 semaines et c'est monstrueux. Non, non, mais il a voulu dire monstrueux dans le sens d'énorme, d'exceptionnel, d'unique dans la vie. Voilà, bien sûr. Mais il a dit monstrueux, il a pas dit unique dans la vie, il a dit monstrueux, j'ai pas rêvé. Enfin, chouchou, te fâche pas. Oh, mais je te préviens, si ton père il se pointe au Georges Sac en blue jean, mais je t'en voudrais toute ma vie. Non, mais c'est mon père qui l'a fait marcher parce qu'il a dit qu'il irait au mariage avec un blue jean et un vieux pullover. Alors depuis, elle est toujours angoissée. Bon, je vais voir, je vais lui parler. Non, non, Jean-Luc, dis-moi pas. Je vais voir si elle est calmée. Non, 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 mais justement, si elle est pas calmée, qu'elle est encore énervée, elle va se défouler sur toi, là. Tu crois qu'elle est pas calmée, là? Ou alors, d'accord. Tu fais venir ta cousine, mais moi, j'invite Christophe et Patricia au mariage. Ah non. Si, si, si. Non, non, mais vous avez déjà assez de problèmes comme ça, on va pas se rajouter, hein. Vous venez. J'ai 21 invités en moi, j'en ai plus que 19 à trouver. Non, 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 non. Ah si, 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 il n'y a pas de raison que je me tape les cousines du mariage du pépé, là, et que je puisse pas inviter mes amis. Mais vous arrivez déjà pas à caser tout le monde. Non, non, mais là, je fais confiance à la mère de Jean-Luc pour vous trouver une petite place, hein. Enfin, qu'est-ce qu'il y a, chouchou, là? Ils sont où, les papas? Je sais pas. Je reviens tout de suite. Si je sais où ils sont, chouchou, je vais t'aider. On va quand même pas se taper leur mariage, hein. Mais toi, tu fais ce que tu veux, mais moi, j'y vais. Je veux voir Daïda, c'est bon. Pour une fois, les chouchous se parlent enfin pour de vrai. Mais arrête, chouchou, ils vont t'entendre. Une histoire d'amour sans engueulade, c'est pas une vraie histoire d'amour. Oui, mais là, il y a juste une minute après, quand même. Oh, et puis ça va, on doit appeler chouchou, là, c'est ridicule. Mais parle plus bas, ils vont t'entendre, tu... Je m'en fous. Et voilà le faire-part. Alors, il y a un plan au dos pour venir. Je vous réserve une chambre à l'hôtel, à côté du château, hein, d'accord? Il n'y a pas de problème. Mais non, mais non. Stropié, Natalia. Oh, je suis vraiment contente de vous avoir rencontrée. C'est vrai, à partir d'aujourd'hui, je ne pourrai plus vivre comme avant. D'ailleurs, avec Jean-Luc, jusqu'au mariage, on va faire comme un chouvenis, ce ne sera que spirituel. Je suis pas sûr qu'ils soient d'accord. J'aimerais bien y aller. Où ça? Mais en chouvenis, moi j'aimerais bien y aller. Pour le voyage de noces? Mais non, chouchou, pour le voyage de noces, on va à l'île Maurice. Et pourquoi on n'irait pas en chouvenis? J'ai pris les billets pour l'île Maurice, chouchou. Sans m'en parler, mais c'est incroyable. Je t'avais déjà parlé, chouchou. Mais enfin, de là prendre des billets. Mais je pensais que ça te ferait plaisir. Oui, mais l'île Maurice, tout le monde y va. Mais on y va à l'île Maurice parce que c'est beau. Mais oui, mais moi, je peux pas. Je peux pas aller là-bas. J'aurais trop honte de dépenser autant d'argent dans un pays pauvre. Pas un pays pauvre, l'île Maurice, il y a que des 5 étoiles. Mais en souvenir, on pourrait se rendre utile. Travailler dans un hôpital. J'ai déjà payé les billets, chouchou. Tu peux pas annuler? Mais c'est une assurance annulation, elle marche que si on annule le mariage. Non, 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 mais arrête tout de suite, hein. Faites comme vous aviez prévu, là, hein. Ah, puis je peux toujours déchirer les billets et dire qu'on les a perdus. Ah, mais oui, elle... Mais t'es fou, déchire pas tes billets, tu seras pas remboursé. Mais de toute façon, tout le monde y va, l'île Maurice, on s'en fout. Mais non, mais déchire pas tes billets, ça n'existe pas, la souvenir. Mais si, regarde, l'île Maurice, hop, l'île Maurice, on va péter l'île Maurice. Non, mais on va devoir y aller, on va devoir pas tarder, nous. Bon, on y a... Ah, oui, là, on y va. Ah non, non, mais c'est, on va pas pouvoir tout descendre maintenant, je dois passer à l'hiver. On va t'aider, il y a rien de posé sur la... Oui. On va tout descendre comme ça. Non, mais ça va pas vous manquer. Oh, mais non, ça nous fait plaisir. Mais ça va pas vous manquer tout ça. Non, non, non. Tiens, regarde, hop. Bon, ben merci encore pour tous les cadeaux. Hein. Ouais, c'est pas pour toi, hein, c'est pour la chouvenie, d'accord? Ah oui. Ah oui, d'accord. Bon, ben... ben merci et... au revoir. Au revoir, Christophe, et au 22, hein. Au 22 quoi? Ah oui. Et surtout, je voulais vous dire un grand merci pour la... Christophe!
Elle apprend vachement vite le français. Despre tine când și zi și noapte, la la la.